Hey, salut toi, c'est Papa papa ben oui! Écoute, aujourd'hui, on est morti On m'a mordi, comme à tous les mordis, pour les abonnés VIP de Papa papa T'as reçu cette vidéo-là parce que je te dis exactement, là, les 10 rabais qui ne reviendront pas la semaine prochaine, là, du 12 au 18, la semaine prochaine, le 12 au 18. Ben, il y a d'autres spéciaux, il y a des pros spéciaux, c'est sûr, mais ceux, les 10, là, qui ne reviendront pas, je vais te les dire tout de suite parce que s'il si, y a un spécial, un rabais là-dedans, que tu dis, ah, moi, il, il me le faut, puis je le sais. J'attendais peut-être la semaine prochaine, voici si ça, peut-être peut encore plus en spécial, ou peut-être le même spécial, je peux attendre. Tu sais, pour remplir mon frigidaire, puis il reste au magasin, juste quand j'en ai besoin, on va le chercher. Ça, c'est parfait, c'est ça qu'il faut faire. Mais quand on, il y a une protéine ou un produit, qui en super rabais, qu'on dit là, ben là, moi, j'en veux, puis je, 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 je n'aide pas, je n'aurai plus pendant les deux prochaines semaines. C'est là que ça me blesse. Fait, écoute, c'est pour ça que là, écoute, le premier. Les choses ne sont pas en ordre. Hein? Ils sont, je t'ai mis 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. <laughs> Mais euh, le premier. Commençons tout de suite avec le premier. Tu vas comprendre assez rapidement. Le bœuf à chez MiMeg chez IGA. Il est en spécial cette semaine encore. Pendant jusqu'à demain. OK. Euh, toute la journée de mercredi jusqu'à 10h demain soir. Chez IGA à 2,69. L'allée où tu peux faire 5,93 le kilo pour du MiMeg. Bon, c'est du MiMeg. Puis la semaine prochaine en plus, il y a de lextra là à 3,49. Donc euh, si toi c'est du mi-meg, parce qu'il y avait quelque chose de spécifique dans une recette spécifique que tu voudrais avoir du mi-meg, je te conseille d'aller chercher tout de suite. Sinon, attends là, là, attends jeudi, jeudi chez métro, 3,49. L'extra Meg. Ça c'est dur à battre ça. Donc euh, c'est ça. Aussi, numéro 2, le filet de morue. Ah, ça le filet de morue, chez GA toujours à 3,99 l'année où tu peux faire 19,82 le kilo. Ce n'est pas un poisson qu'on trouve tout le temps parce que c'est la pêche responsable, donc des fois, il n'y en a plus. Il n'y en a pas. Il n'y en a simplement pas. Euh, mais là, il y en a. La semaine prochaine, il n'y en a pas. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas en vente, là. Euh, tu peux pas l'acheter nulle part, mais il ne sera pas en vente. Il ne sera pas en rabais la semaine prochaine, ça c'est sûr. Donc, chez GA, le filet de morue, si tu veux cette protéine, ce beau poisson-là, ben, c'est cette semaine, as encore demain pour aller chercher. Okay. Euh, numéro 3, les patates blanches ou recettes, 10 livres, chez Maxi, 1,98$ pour 10 livres de patates, <laughs> ça ne fait, fait pas cher la patate, hein? euh, parce que tu peux faire des patates pilées avec ça, des patates frites, des patates en cube, il des, des y a plein de des patates, Des patates, 1,98$ pour 10 livres, c'est dur à battre, euh, ça c'est chez Maxi, numéro 3, numéro 4, le numéro 4, la farine, 10 kilos de farine, Là, c'est sûr, c'est chez Maxi à 8,67$. C'est sûr qu'il n'y a pas de farine comme ça, la semaine prochaine en vente. Là. Hein? Puis de toute façon, euh, quand tu l'as acheté une fois, là, 10 kilos, à <laughs> moins que ce soit un pâtissier, ou je ne sais pas trop. Là. Euh, mais c'était un papa et un moment comme moi. Bien, c'est sûr que 10 kilos, là, on a pris un petit bout. Hein, petit bout. Donc, euh, c'est sûr que ça n'arrive pas souvent non plus, ce rabais-là. Pas à tous les mois. Là. Puis ça arrive, je te dirais, que j'ai vu ça au, au printemps, au début de l'été. Puis là, là, là. Hein? Donc c'est à 8,77$, ça vaut le double, ça vaut 14-15$. Ça amène du bon sens. Fait que si tu manques de farine, juste si tu manques de farine, il ne faut pas l'acheter pour l'acheter. Mais si tu manques de farine, bien là, il faudrait que tu yale ce soir ou demain là, pour aller profiter de ce rabais-là, c'est chez Maxime. Numéro 5, le bacon de la fleur. Ben oui, le bacon de la fleur, le bacon de la fleur. 500 grammes chez Maxi, à toi, il avait 18. C'est pêché, là. Je touche pas à ça, là. Surtout que tu as déjà plein. Hein. <laughs> non, mais ben écoute, c'est vrai que c'est vraiment pas cher. Ça coûte le double, ça a Puis il n'y aura pas de spécial comme ça hein, la semaine prochaine de bacon. Fait que si tu vas avoir du samedi matin, tu vas avoir du bacon dans ton assiette avec ton œuf, là. Mais ben, si t'en as pas, ben, je te dirais, va le chercher parce que sinon, il va te coûter le double. <laughs> Tout simplement, <ce rire> les image vous restaurant. <laughs> non, c'est pas vrai. Ça coûte toujours trop. Même au prix régulier, ça coûte moins cher de se le faire. Mais là, vraiment, ça vaut vraiment la peine de se le faire quand qu il y a à ce prix-là. C'est sûr. Écoute, numéro 6. Numéro 6, 12-8 Malpec chez Métro à 3,99. 12-8. Ça, ça veut dire 33 cents. L'8. C'est pas cher. C'est le moins cher que j'ai vu à date... De... Cette année-là, parce que là, est, hein, tu sais, on, on a déjà commencé, là, ça fait deux semaines que c'est commencé. C'est la rentrée là, des, des 8, là, la, la saison des 8. Donc, euh, le moins achat que j'ai vu encore, c'est cette semaine, la semaine prochaine. Il y a d'autres spéciaux, mais ils sont plus chers que cette semaine. Donc 12-8 chez Métro à 3,99$. Tu sais, si tu aimes ça, on va s'en chercher parce que ça dure là, 15 jours dans le frichetage, ça. Hein? Pas de tout. Euh, le numéro 7. Le numéro 7, le jambon paysan à la charcuterie. Hein, tu sais, c'est dans un plat plastique, là, charcuterie, 500 grammes, tout coupé, tout parfait, 199. Hein? Là, t'as quoi? T'as forêt noire, Puis là, la charcuterie, elle, elle veut pas, ça coûte tellement cher. C'est sûr que si tu, tu peux te faire des lunchs, c'est plus santé que ça, c'est sûr que c'est de baisse, mais c'est vraiment un dépanneur. Puis à ce prix-là, ben. Tu veux pas de te teint, pourquoi tu en passerais? Il y a de la teigne aussi, il y a plein de sortes de vierges Chacune tu regardes ça, là. Mais à 5,99$, c'est sûr, la semaine prochaine, là, ça va être plus cher que ça, c'est 10,99$, 11$. Euh, et plus là, pour le même paquet la semaine prochaine. Fait que à 5,99$, c'est aujourd'hui ou demain, maximum pour en profiter. Ça, c'est chez Metro. Continuons avec le numéro 8. Le numéro 8, la poitrine de poulet et autres Ben oui, la poitrine de poulet est désossée. Il n'y en a pas la semaine prochaine nulle part. C est, c est, ça finit cette semaine. Euh, J'imagine que dans deux semaines, il va en avoir. Parce que c'est rare que ça passe une semaine. Surtout dans les cinq épiciers, il a toujours une place habituellement. Mais là, il n'y en a pas cette semaine. bizarre. Euh, puis les hauts de poulet aussi. Les hauts de cuisse. Là, là, pas d'os, ça vient. Ça, c'est bon mariné. Mm. C'est une autre protéine. C'est un autre petit goût. Une autre texture. même. C'est même, même poulet, mais même en la bouche, tu sens que ce n'est pas la même texture. Puis là, tu l'as à 4$ la livre. Ou si tu préfères, 8,82$ le kilo. Pour Un vrai suprême de poulet des os, c'est toute la patente. T'sais. Écoute, c'est ça que ça se passe. C'est cette semaine. T'as aujourd'hui plus de mains pour y aller. Sinon, la semaine prochaine, il n'y a pas de spécial là-dessus. Le, le numéro 9, le filet d'aigle fin. L'aigle L'aiglefin, toi, à 6$ la livre chez Provigo, ou si tu préfères 13 à 23$ le kilo. Ben là, ça vaut euh, à peu près 20$ le kilo, ça, de l'aigle Donc, à 13$, ça a bien du bon sens. Euh, surtout la semaine prochaine. Mais ben, il ne l'a pas. Hein. Tout ce que je t'appelle en ce moment, là, ça finit La semaine prochaine, il ne pas. Et finalement, écoute, le numéro 10, le jambon fumé, euh, les vagues dans la fesse. Là, hein? Ça, il n'y a pas de quoi. L'os. Euh, 2,49 la livre, c'est respectable. Ce n'est pas le meilleur prix que j'ai vu. Là, ça, c'est clair. C'est un bon prix. Ça peut être plus cher que ça. Ou 5,49 le kilo. Euh, avec l'os, là, ça, là, c'est vraiment. Euh, Est-ce qu'elle fait le fun avec un. un un jambon comme ça, c'est qu'un coup tu le fais cuire, ça te fait un super souper. Hein? Tu fais des petites carottes au miel avec ça, puis une petite patate pilée, là, puis <laughs> avec ma petite sauce aux pommes et euh, sirop d'érable. Oh, ça c'est débile. Là. Vraiment, tu mets ça sur ton, sur ton, hein, sur ton morceau de, de jambon, là, tu t'es fait. Là, parce que c'est salé, hein, c'est bien salé, fait que tu mets du sucre là-dessus. Là. <laughs> un sirop d'érable, puis ça vient tout là, balancer la patente. Super bon. Euh, pas il n'y en a pas la semaine prochaine de ce jambon-là en spécial. Donc, si tu en veux, hein, puis si tu veux que tu en restes après pour te faire des lunchs, ben c'est le, le temps. De toute façon, c'est une chose, hein, mais si tu la jettes euh, ce soir ou demain, euh, tu la gardes dans le frigidaire, puis tu peux le faire cuire en fin de semaine, euh, puis du jambon, un coup qui est cuit, puis tout, là, tu mets un papier d'aluminium par-dessus dans ton frigidaire. Tu sais, souvent, on va mettre un, un papier, ça rend c'est bien correct, pour que ça tienne l'humidité, mais mais aussi euh, un papier euh, aluminium Parce que le papier d'aluminium, ça le coupe de, de la clarté, hein, parce que, veux, veux pas, même si dans le frigidaire, tu le frigidaire, il de clarté, t'inquiète. La clarté, ça fait baisser le, 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 le pourcentage de protéines dans la viande. Pour garder toutes ces protéines au maximum, c'est de ça le, de le protéger de la lumière. Donc, tu sais, c'est un, bon, un bon petit truc pour garder. Puis ça, un ça se garde deux semaines, 14 jours facilement dans ton réfrigérateur, là, puis ça il reste encore bon. C'est pas tuable. <laughs> il est déjà mort. <laughs> écoute, j'espère que ça t'aide énormément puis que tu vas profiter de ces spéciaux-là parce que juste là, là tu as, as des dizaines et des dizaines de dollars euh, d'économies à faire. Là, facile, facile. Tu as juste à as organiser ton chemin en venant à travailler ou en y allant pour aller chercher 100% et euh, tu viens de faire beaucoup d'économies. ça, Je te souhaite, bien sûr, une super de belle journée, une bonne semaine puis surtout, je t'envoie un beau bisou. De papa, papa, tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa, papa.